Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim sur Paper Mario Color Splash. J'ai dit Sticker Star, n'importe quoi. Color Splash. Color Splash, et on va sur la crête ensoleillée donc pour avoir une petite étoile jaune. C'est ça, et vous aimez énormément ce play comme nous, oui. En fait. Et du donc coup, mettez des pouces bleus pour ce super let's play. Bah oui, parce que... Oh, mais toute la porte elle est... Je pourrais parcourir, hein. Hein? Oh, mais tout? Oh, on va devoir faire une super attaque, je suis sûr. Eh, c'est celui qu'on a vu. Ah ouais, de loin. Ouais, mais non, ça doit être un autre. Tu viens voir la porte rubis, ben la voilà, c'est un peu décevant, non? Bah oui, parce que du coup, elle est décolorée. Ouais. Avec toute la porte, comme tu peux le voir, elle n'a pas de rubis, que le nom. D'ailleurs, il faudra penser à la rebaptiser la porte morne, la porte terne. Ouais, c'est sûr que les touristes vont pas se précipiter, et puis de toute façon, elle est fermée à clé. Oh, c'est rien de bien grave, on a déjà vu ce genre de cas. Un bon coup de peinture et tout rentre dans l'ordre. Un coup de peinture, un déluge de peinture plutôt. Mon équipe entière ne suffirait pas à la tâche. D'ailleurs, en parlant de mon équipe, je vais vous laisser, sinon mon chef va me frotter les oreilles. Taux de numéro 2 de l'équipe de sauvetage de l'étoile. Ah oui, donc c'est pas forcément le même. Lui, c'est un sauvetage de l'équipe 2. J'ai toujours eu beaucoup de respect dans les équipes de sauvetage. Vous, l'harmonie des couleurs, vous la vivez à fond. Tu n'as pas tort, peinturion, mais rejoindre une équipe de sauvetage ne résume pas à porter de beaux uniformes, certes joliment assortis, c'est tout à l'heure à 7. C'est avant tout un sacerdoce. Ah, un sacerdoce. Ah ouais, un sacerdoce. Dis donc, langage tout mien, hein, ce let's play. Hein. Secourir les âmes en détresse et faire triompher la justice partout où elle chancelle. Elle chancelle. Si tu veux parler au coordinateur des équipes de sauvetage, tu le trouveras au QG dans le quartier jaune de Port-Barbouille. Sans nouveau le capitaine, les ordres seront de se replier au QG en route. Donc ils vont tous se replier au QG, donc il faudra trouver le QG. De Port-Barbouille, ça va être là où il y a le pont. Laissons-les pour le moment, remettons en quête des étoiles de couleur. Donc pour l'instant on peut rien faire, on est bloqué ici, c'est normal puisque on n'a pas assez de peinture. J'adore vraiment le graphisme de ce jeu. Hein. Ouais. Non mais vraiment c'est pas... Du coup on retourne sur la carte du monde et je pense qu'on va aller au QG de Port-Barbouille. Ah, c'est là. Toi dès que ça va je vais être à ton service Mario. Tel que tu vois, j'attends les ordres de mon capitaine. C'est lui le capitaine? Voici l'information dont je dispose. L'un des capitaines est porté disparu. Mais si tu le croises, la communication devrait être établie. On l'a croisé, il était sur la dernière map, on l'a vu au loin. Ah, le petit taux de... Violet. Mais donc il faut retourner en fait... Bah je pense, parce qu'on aura besoin de lui quoi. Et d'ailleurs, le bricoleur, t'étais allé par là? Il est toujours pas revenu. Faut aller chercher. Moi je pense qu'il y a l'autre qui est important aussi. Bricoleur. Il est important, celui avec sa clé là. Sur la tête. Le justicier. Un justicier. Ouais, mais là, je pense qu'il faut que t'ailles chercher l'autre, là. C'était sûr que c'est pas ailleurs, non? C'était là. Là. On va y retourner, on va voir ce qui se passe. Ouais. Et je pense qu'il y a... Tu vois, il y a un chemin qui mène entre Port-Barbouille et la plage Lapis-Lazuli. Ah oui. D'accord, peut-être, alors. Ah, tu vois, on a déjà trouvé une petite étoile de couleur de ce niveau. Appuie sur... Ah oui, là, c'est pour quitter. Ah, le voilier! Qui est parti, a fait naufrage! Mais oui, le voilier! Ah, celui du tout bleu qui voulait voguer jusqu'au bout du monde! Allons voir ça, Mario! Ah, bah voilà, on est revenu et il s'est passé quelque chose. Ah, il est là-bas au fond! Ah oui! Adios! Adios, amigo! Wouh! Ils sont tous en train de regarder, tout le monde s'en fout. J'avoue! Personne veut se mouiller. Dire qu'il a fait tout un foin de son départ, ça pour faire un naufrage à peine parti. Je m'en vais au bout du monde, qu'il disait. Tu parles, c'est à peine d'y dépasser le bout du quai. Il y a certainement trop honte pour rentrer chez lui, ça se comprend. Au moins, il n'a pas déchiré sa voile. Et s'il y avait un peu de vent, il arriverait certainement à repartir. Ah! Le ventilateur! Attends. Déjà ça, forcément. Ah, t'es intelligent! Bah oui, je sais. Donc, en fait... Ah oui, en fait, du coup, là, Guillaume, il vient de découper le carré qu'il y avait à droite sur l'image, enfin, sur le jeu. Et là, on peut mettre l'emplacement d'une carte. Regardez, on vous met en gros plan. Alors, là, je viens de découper cette zone-là, et je peux mettre un emplacement, et j'ai le ventilateur. Je vais le faire en regardant la caméra, voilà. Et en fait, après, je peux mettre de la peinture. On va le peindre, et du coup, il va pouvoir... Et attention, ça revient! Et ça fait quoi? Oh! C'est moi qui l'ai fait! Oh, le ventilateur de malade! Abusé! Il a pas un peu grossi depuis qu'on l'a pris en carte? Il va et du coup, t'as tout qui bouge! Non, et du coup, il revient! Ouais!
Oh là 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 là, la tsunami. Oh. Mais tu l'as tué là en fait. J'ai explosé son mode. Oh, oh tout surfeur quoi. Oh. Il devient maléfique. Mais c'est quoi ces toad? Oh, il est vénère. Bah, c'est les toad clés. C'est ceux qui sont importants, les toad clés. Oui. C'était vraiment super cool. Pendant un instant, j'ai cru que tu irais au bouillon. Finalement, tu as surfé sur cette vague comme un pro. C'est vrai que c'était plutôt cool. Il est trop énervé. C'est ça ma destinée. Je veux devenir surfeur, le plus grand surfeur de l'histoire. Du calme, petit, après tout, je ne suis plus un grand surfeur de la planète qui ait jamais connu. Ah. Oh oh. Il va tout arrêter. Oh. Trop fort. Ils sont en train de hurler. Ouais. Trop fort, quoi. Trop fort, le Toad. Bravo, Toddy. Tu sais surfer tout ça, mais là, je te parle de l'espèce de tsunami que t'as arrêté tout seul comme un grand chapeau d'artiste. Attends, tu m'embrouilles, là. Le serveur, c'était cool, oui ou non? En fait, je vois pas pourquoi je te demande, je sais même pas nager. La grande destinée, attends, j'en suis sûr, j'ai une mission à accomplir dans ce monde. Donc on a un taux de clé rouge, on a un taux de clé bleu. Ouais. Le taux de bleu sur le bateau a vraiment besoin de vacances et quoi? Tout ce blabla au sujet de sa destinée, sérieux. Bon, si on peut l'aider à découvrir sa voie, on lui fera savoir. Ok. Et je pense que tu dois retourner là où... Non, là, ça sert plus à rien, mais là où tu voyais la taudette... Enfin, le taux de rose. Et donc, on revient à la plage. Oui. Et on va voir si ce qu'on disait était vrai. Ou alors c'est le capitaine. Ah, ah. Tu vois que t'avais dit. C'est abusé. Et voilà, c'est bon. Et voilà, grâce à Y, on a réussi juste à passer. On passait un truc tout droit. Voilà. Donc c'est vrai là... que ça c'est dommage. Du coup, je vais déjà tirer ça. Oh là là là. Ouh. Voilà, comme ça on va pouvoir repasser sans faire Y. Et lui, on va lui parler. L'océan me captive, je pourrais l'observer pendant des heures. Ah, qu'est-ce que... J'ai pris au piège. Oh, un pont, je suis sauvé. Taux numéro 3 de l'équipe de sauvetage violette au rapport. Sans nouvelle du capitaine, les ordres sont de se replier. Il dit la même chose que l'autre, il faut qu'il retourne au QG. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? T'es une plateforme transparente. Colorée. Oh, oh, bien. Marteau Vandango. Bon, bah c'était juste ça, mais bon, moi. Ah, c'est marrant. Donc quand on voit un truc transparent, il faut le colorer, comme ça permet de faire quelque chose. Donc là, comme on a eu l'étoile, on peut retourner. Ouais. Ça, c'est bien. Donc fallait bien qu'on revienne jusqu'au bout. Donc on a fait la bonne chose. Donc là, on va avoir le petit clé bleu, forcément. Ouais. On a dû en oublier un, quelque part. Hein. Là, on en a... il n'y en a pas. Et bah si, là où... là, il y avait... Oh, avant. Il y avait les taudes qui avaient replié le pont. Ah oui, peut-être. Bon, allez voir. On va se balader. On va trouver tous les taux de violet. On se balade sur la map. On se balade sur la route écarlate. Non, je vois pas où il pourrait être, sinon. Marteau. Tu sais, là, il y avait le café Toad. Je suis pas allé dedans, en plus. C'est vrai. C'est mignon. Mignon. Il y a rien, mais... Ah. T'as cassé la chaise. Non mais y'a rien. Ah. Ah. Oh Mario. J'étais tranquillement en train de siroter mon café quand un groupe de taunes a fait irruption chez moi. J'ai dû me réfugier dans cette armoire pour ne pas mourir étouffée. Quelle honte, vraiment quelle honte. Enfin on dirait que mes invités sont tous partis. Tiens, merci d'avoir remis de l'ordre. Ah bah cool. Ah bah merci. C'est vrai que tu sais on avait ouvert, ils sont tous partis. Ouais. Et puis on a même pas pensé à rentrer dedans. Ouais. Bon bah c'est bien, on fait le tour. Je pense que c'est une carte qui doit être assez puissante du coup. Ah! Et puis comme ça on va s'occuper des petites tâches. Oui. Ah! Une tâche. Ah! Bah là on n'est pas allé. Non, on n'est pas allé. Bah voilà. Ah, parce qu'il y a plein de tâches. Il y a un masquage jaune surtout. Oui, mais qui est sur la tâche. Oh! Ah! Ah! Et l'étoile bleue! Ah ouais! Tiens Mario, repos, je suis le capitaine de l'équipe de sauvetage violette. Voilà, notre capitaine! On nous a informé que tu aurais sûrement besoin de franchir cette falaise, Mario. Alors j'ai convoqué Mega pour essayer de trouver une solution. Malheureusement, aucun de mes trois petits gars ne s'est encore
présenter. Si tu vois des membres de l'équipe de sauvetage violette à notre QG de Port-Barbouille, dis-leur de nous rejoindre ici, s'il te plaît. Sérieusement? Donc là, oh. Donc faut trouver le dernier, puisqu'on n'a pas le numéro 1. Ah. Et après, faut aller au QG, leur dire de venir, et là, on pourra avoir l'étoile. On pourra avoir une étoile qui va nous permettre d'aller là-haut pour récupérer celle-ci et débloquer un autre monde. Autre que celui de la porte. Oh. Mince. Je voulais le faire. Bon. Bah, on va faire ce combat là et puis on va aller chercher le dernier, sûrement dans le dernier niveau on n'a pas été voir hein, de toute manière, ça peut être que ça. Oui. Je pense, mais c'est marrant de revenir dans le niveau déjà fait pour trouver des petits trucs qui oui. changent, c'est ça qui est cool. Bah en fait ce qu'on aurait dû faire c'est le niveau à fond. Oui, une fois qu'on le finit on le refait quoi. Ouais. Ouais mais non parce que du coup là c'est... Ouais parce que du coup là les histoires se suivent en fait. Bah oui parce que le violet on l'a trouvé dans le dernier niveau qu'on vient d'aller et on est obligé de refaire les niveaux pour trouver les autres. Ouais. Allez, on colore la tâche. Ouh, oh, masquasse, une carte masquasse, cool. Masquasse, cool. Donc la tâche est colorée, il y en a une là-haut, on peut pas... Ah! La blague. Oh, c'est la danse de la paille qui fait glouglou, qui fait glouglou, c'est la danse de la paille. Ah, mais du coup, tu vas récupérer les... Je sais pas. Tiens, on va essayer un truc. Je sais pas si c'est valable, mais... On va voir ce que ça fait, on n'a jamais essayé. Peinture prête. Allez, Mario, allez, Mario, allez. Oh! Ah, faut que tu le fasses au bout. Ah, oui, d'accord. J'ai pas compris. Oh, moi, je croyais qu'il fallait spawn la touche A comme dans Mario en fait. Paper Mario. Ok, bon. Est-ce que je me noie? C'est bon. Mais du coup, est-ce que tu récupères les peaux rouges? Bah, je sais pas, mais. Non, mais tu récupères beaucoup de rouges. Ah, ouais. C'est pas mal, hein. Ok, donc il y a plein ici, on va pouvoir revenir à la carte du monde. Ah oui, donc, non, pas d'abord. Au QG. Au dernier, il faut trouver le numéro 1. Qui serait, pour le coup... Bah après. Donc là, il y a le capitaine, tu vois, c'est marqué. Bah ici, là, ici. Je pense. En plus, il nous manque une étoile, donc... Ouais, c'est ici. Donc là, ah oui, ils sont tous revenus. Non ! Oui. Non mais réellement... Passe sur le côté, passe sur le côté, passe sur le côté. C'est long. Ah non, mais réellement. Saute par-dessus. Mais ils ont rajouté des trucs partout. Partout, pauvre petit chou. Donc là, on va aller retourner au fond. Ouais. Donc là, de toute façon, en bas, il n'y avait rien. Si, c'est en justement bas. C'est en bas. En bas, bah, bah, bah. Wow! 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 Ouais. Allez! Oh, y'a du vent! T'as vu, y'a du vent! Le ventilateur est revenu? Bah oui, parce que tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, on avait absolument besoin de cette carte pour avancer dans le jeu. Et dans le cas où tu l'utilises pour un combat. Ah! Tu vois? Ouais, mais du coup, tu vas pas pouvoir passer! Bah, il va falloir faire pareil, quoi. Oh non! Et... Oh, ça va, ça va, quoi! Donc là, je peux récupérer la carte du ventilateur, quoi. Re-récupérer, du coup. Mais tu peux passer, il y a le pont, maintenant. Bah, attends. T'avances, c'est tout. Voilà. Et sorry. Et hop, une carte ventilateur pas chère. Une deuxième. Qui me donne plein de peinture, en plus. Ouais. Et qui va te donner une belle carte. Ouais. Une deuxième carte ventilateur. Ouais, c'est une carte rare. Bah mais du coup tu peux la récupérer tout le temps. Hein? Du coup tu peux la récupérer tout le temps ta carte. Bah dès que j'utilise une fois. C'est... Ah c'est... là on est déballé. Ah si. Mais si. Mais ouais dans l'oreille. Alors. Donc là on n'est pas allé normalement. Ouais bah là on n'est pas allé à droite. Attention, attention. Vite, 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 vite. Je vois rien. Je vois rien. On va rien du tout. Ah! Ah, trop bien! Une traque. C'est un paillasson? C'est une planche. Là. Ah! Ah! Oh oh. Ah, mais du coup, ça a débloqué un niveau dans lequel ça se trouve, il y aura le numéro 1. Ah! Oh là là! Oh là 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 là, it's complicated. Yes, very complicated. Bien joué! Yeah, t'es trop fort! Ok, bon, là je suis obligé d'utiliser un marteau.
Marteau piqueur, marteau piqueur. Qui m'est folle, qui m'est folle. Au moins. Au moins. Oh, bim. Voilà, c'est bon, bonus parfait. Donc elle était facile à avoir. Non mais c'est ce qu'on va pas pouvoir l'avoir, c'est ça que je me pose comme question. Déjà faut que t'attendes. On est bah oui, c'est le moulin. Tu passes comment? T'as vu le truc, il est cassé. Oh, abusé, mais sérieux. Mais attends. Y. Ah, il faut que j'ai du coup au moment. On dirait que tu peux utiliser le découpage. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. C'est ce que je me disais, mais ça marchait pas là-bas, alors je sais pas pourquoi. Bah peut-être parce qu'il fallait pas aller là-bas. Voilà, donc une étoile rouge qu'on n'avait pas eu. Par contre, j'ai pas... Si, oui, bref. Niveau terminé. On a réussi à notre niveau. D'accord. Ben, on va aller voir... Donc là, ça va débloquer quelque chose. Et je pense que le capitaine, il va être là. Non, c'est pas le capitaine. C'est le numéro 1. Le numéro 1. Oh. Numéro 1, et après, avec le numéro 1, on pourra aller débloquer... Ah oui, la vache. Ah, ça est juste, ça fait une étendue. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas un gros niveau. C'est quelque chose de complémentaire, ouais. Où il doit y avoir, justement... Et donc là, on a les deux étoiles. Ouais, et on a... Et là, il y a une grosse étoile. 95. Oh! On a trouvé une grosse étoile! On a trouvé la grosse étoile rouge! Elle est là! Ah. Donc, ça veut dire que ça va être un boss. Oh oh. Il y a de fortes chances. Premier boss. Bon, et généralement, quand on est... Oh! Mario, ça sent la peinture de l'autre côté du portail. La peinture rouge même, et le parfum est bien plus puissant que celui de la petite étoile rouge qui nous a conduits ici. A tous les coups, c'est le signe que la grande rouge nous attend dans la tour cramoisie derrière ce portail. Et regarde, c'est les toads. Donc là, ça va être un vert, c'est celui qui me manque, qui est ultra puissant, et les deux autres, faut que je les ramène ici. Mario ? Je suis venu de Barbabouille pour... qu'est-ce que je suis venu ? Ah oui, et pour admirer le pont qui mène à la tour cramoisie. On dirait que c'est une merveille d'ingénierie, tout bâtisseur de bâtiment, de pont, de respect sa vie. Ah, c'est le bâtisseur. Voilà, alors que... Oh yes! Mais comme ça, on va pouvoir faire le pont. C'est le bâtisseur ou pas? Bah, je sais pas. Attends, tu as fait tout le chemin pour voir un pont? Alors, soit tu dans le soit tu construis des ponts. Je suis bâtisseur de pont. Wouhou! On a trouvé le bâtisseur de pont. C'est bon. Barbabouille a été attaqué et le pont du quartier bleu a été détruit. C'est plutôt embêtant. Mais c'est une catastrophe majeure, tu veux dire. Tu dois retourner à Barbabouille immédiatement, mon pauvre petit. Je vais rafistoler ton fond. Et ça se trouve, le capitaine, il est là. Allez! Port Barbouille, ouais, et du coup on va à la gauche. Ouais, le quartier bleu. Dis Mario, tu te souviens du taux de bâtisseur des ponts qu'on a rencontré? Oui, mais c'était il y a une minute. Je me demande s'il a fini de construire le pont du quartier bleu. Allons jeter un œil. Et du coup, il y a la poste aussi. La poste. Bougez. Avec la poste. Allez. Ouais. On sauvegarde. Ok. Et donc... Ouais. Yes. Et voilà le travail, Mario. Oh, mais c'est vrai que c'est la première fois que tu vois le fond. Enfin, tu peux me croire, allez, à toi l'honneur, va négliger mon nouveau chef-d'œuvre et tester sa solidité au passage. Ouais, ils étaient tous contents, t'as vu. Bon, verdict, on est parti de là, on s'est retrouvé de l'autre côté. C'est un pont, quoi. Oh, minute, ça sent la peinture et pas n'importe quelle peinture. Oh, ça sent la peinture bleue, si, tu peux me croire. Il s'agit même sans doute de la peinture d'une étoile de couleur. Wow, on dirait qu'il va falloir le mériter. Comment on est censé grimper sur cette terrasse? Easy. On va avoir deux étoiles dans cette vidéo alors. Oh là là, ouais. On est fou. Et donc là, en fait, normalement, on va arriver à 100%. Si tu recolores tout bien. Et qu'est-ce que ça débloque, tu penses? Je sais pas. À gauche. Ah, un toad. Oh merci. Merci Mario. Tiens, laisse-moi t'offrir un verre. Ça montre des choses. Alors, en fait, il a rien. Tu veux peut-être une paille pour ta boîte. Oh, mystère. Je n'arrête pas de penser à ce monstre qui aspire ma couleur avec sa paille. Désormais, les pailles seront interdites dans ce café. Ce qui ne fera pas d'atténuer mes craintes. Ce qu'il me faudrait, c'est un changement radical, commencer une nouvelle vie loin de Port Barbouille. Mais à gauche, tu vois pas que c'est... Attends. Ouf, quel soulagement, ces barbares n'ont aspiré l'encre de mon journal. Tu lis le canard de Barbouille, des fois, on y trouve toujours des infos les plus récentes et les plus intéressantes. Si tu veux tenir informé, savoir où tu veux aller, ou te rafraîchir la mémoire, je serais ravi de te lire un article. Une autre fois. Pour l'instant, ça va aller. Voilà.
C'est bien, s'y connaît en pont, je m'y connais. Tu peux me croire. C'est juste, des fois ils disent des trucs qui servent à rien, ça a rien de tout lien. Ok, je suis heureux maintenant que le pont est réparé, je vais pouvoir retourner au travail. Je me sens comme une lettre égarée qui aurait enfin rejoint sa destination. En parlant de lettre, il y a peut-être de courrier pour toi, Mario. Tu devrais passer au bureau de poste sans tarder. Bah écoute. Bon, on y va. Oui, on dirait qu'une tornade s'est abattue sur le bureau de poste, regarde ça, l'enseigne. Et deux travioles. Ah, j'ai trouvé. Ce qui permet d'aller en haut. Non. Non, parce que ça va faire ça. Et ça te permet d'aller en haut. Non, je pense pas. Si. Je pense qu'il faut la mettre à droite. Non. Si. Non. Bonjour, je voudrais du courrier. Eh Mario, tu tombes bien, j'ai du courrier pour toi. Taïo, Mario, c'est moi le taut de la salle d'entraînement. Je suis en train d'apprendre à maîtriser la fleur de feu, tu veux t'entraîner avec moi? Non merci, ça va aller. Et ça ne s'arrête pas là, Vénard. Salut Mario, ici le patron du café de la route écarlate. J'ai pas mal de temps libre en ce moment, inversement proportionnel au nombre de mes clients à vrai dire. Alors si tu veux venir me faire un petit coucou pour occuper, ce ne serait-ce que 2 minutes, ce serait sympa. Je t'attends, j'espère. Oh, on a trop de courrier. Oh! Salut Frangin, c'est moi Luigi! Luigi! Tu as déjà rendu visite à l'essoreur? Ah! Il vient d'ouvrir un magasin sur le quai du Port Barbouille. Si tu veux relire les... Bah... Tu penses que... J'ai déjà été. Tu penses que Louis... Ah bon? Ouais. Et c'est là où t'as eu une carte solo? Ouais. Qui m'a la joué? Bah oui, mais j'ai pas fait exprès, en fait. T'as vu comment il sort de son bureau? Il se transforme en lettre et puis il sort. Allez. Donc les soeurs, en fait, nous donnent une sorte de cuillère en bois... C'est une cuillère en bois, c'est un entonnoir. Ah! Il l'a remis droite. Et alors là... de quoi ça a l'air? C'est de droitiole maintenant. Maintenant, super. Alors tu t'es rentré dans l'ordre, merci de m'avoir prévenu. Vas-y, fais Y. Oui, bah, ouais. Yes! Donc on l'a mérité puisqu'on a sauvé tout le quartier bleu quand même. Attends, on a mérité notre... Waouh, il y a plein de taches blanches. Ouais, bah fais d'abord. Ah! Oh, oui! De me rendre là, on se réunissait tous. Yes! Et donc on va pouvoir aller voir le capitaine! Oh! Bim bam boum. Bah! Tu m'as l'air d'être un combattant accompli, j'imagine que tu as une impressionnante collection de cartes de combat, pas vrai? Pas vrai, sans vouloir t'impressionner, est-ce que tu pourrais. Non. Oh, allez, quoi, je veux juste regarder. Non. Ah, oui, bah je vais. Vous avez donné toutes vos cartes. Il va nous les rendre, hein. Tu possèdes déjà une fameuse collection de cartes de combat? Oh, ah. Tu n'envisages de nous rendre les cartes, j'imagine? On peut se faire attaquer à n'importe quel moment. Ah! Il n'y en a pas de cartes de combat. Et comment on va faire? Saperlipo, plein nous voilà dans de beaux draps. Bah oui. Nous n'avons aucune carte de combat, comment allons-nous faire pour en sortir? Ah mais j'y pense, il y a une solution, la roulette de combat. Ah yes. C'est aléatoire. Oh oh, moi j'aime pas les trucs aléatoires. Roulette de combat. Cette technique te permet d'obtenir une carte d'une simple pression. Une fois par tour, et il faut que je paye en fait, ça sert à ça les sous-sous. Donc il faut que je paye 10 pièces, et je récupère une carte aléatoire. Donc là, pour cette fois-ci, c'est lui qui paye. Ok. Bon, après, c'est une roulette, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est une roulette, et on doit choper une des cartes en ayant de la chance. Voilà. Ah, c'est pas mal. Carte obtenue, la fleur de glace. Donc, c'est pas mal. Ah oui, il faut que je glisse, c'est vrai. Et donc, on a obtenu la fleur de glace. Donc, c'est plutôt... Mince. Bien. Si Guillaume savait jouer avec. Et on a tiré le Grolo. Non, on a tiré une bonne carte avec la roulette, du coup. On a tiré le saut après avoir tiré un champignon. Yeah. Donc, et voilà. Il va nous rendre nos cartes, lui, là. Ah, mais quel tour d'étonné. Doubidou. Ah, c'est juste pour expliquer que si un jour on a plus de cartes, eh ben on a cette. On n'est pas dans le gaga, quoi. C'est encore blanc à droite. Hein. Ouais, j'ai vu. Allez, salut. Allez. Et du coup, on va aller récupérer la petite étoile bleue. Voilà. Niveau terminé. Deuxième étoile dans la vidéo. On est fort. Bah, en même temps, c'est des étoiles un peu bonus. Hein. Donc, on va aller voir le capitaine. Bah, attends, ça va déjà débloquer un monde, je pense. Oui. Voilà. Donc, on va trouver le numéro 1. On a trouvé le numéro 1, 2, 3 et le capitaine.
Ah, tu vois, c'est ce qui te permet d'aller directement après à gauche à la porte. Je pense pas, non. Je pense que c'est un autre monde. Ah oui, c'est un petit monde, oui. C'est... Caverne Indigo. Et du coup, on est à 100%. Non. 92. Il manque un truc. Alors, on est revenu. Il y a deux toads et... Appel. 1, 2... Il manque toujours un gars. Donc bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, puis on ira chercher dans le prochain épisode. Dans le champ indigo, là. Où il y a le tuyau, je pense, ouais. On ira là. Donc on a quand même bien avancé, même si c'était pas vraiment des niveaux terminés, parce que c'est des niveaux qu'on avait déjà terminés, on a juste fait des allers-retours un peu pour chercher ce qu'il fallait. Du coup, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu pour Paper Mario Color Splash. À nous dire si ça vous plaît toujours autant, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Game Game. Allez, salut. Salut.